conquête de l'espace. Dialogue 4. Décrire un paysage fantastique. Astronaute 1. Peux-tu nous décrire les paysages sur la Lune ? Astronaute 2. Oui, bien sûr. Il y a d'abord une pente d'une haute colline grise et nue. Les roches sont démesurément grandes et recouvertes de taches noirâtres. Un dédale de passages étroits m'a attiré l'attention. On dirait que quelqu'un les a empruntés auparavant. Astronaute 1. Et comment est l'atmosphère ? Astronaute 2. La Lune est caractérisée curieusement par un froid glacial et une lueur de lumière bleue. C'est une étrange atmosphère qui régnait dans le lieu. Astronaute 1. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les collines ? Astronaute 2. Derrière se dressent de petits sommets garnis aux formes arrondies. Ils ressemblent à de petits volcans et le sol ressemble à une plage de lave. Astronaute 1. Est-ce que tu as effectué la montée pour découvrir ce superbe endroit ? Astronaute 2. Oui, en continuant d'avancer, j'ai découvert d'extraordinaires formations rocailleuses. Il y a aussi plusieurs figures fantastiques que j'ai prises en photo. Unité 2. À la conquête de l'espace. Dialogue 4. Décrire un paysage fantastique. Astronaute 1. Peux-tu nous décrire les paysages sur la Lune ? Astronaute 2. Oui, bien sûr. Il y a d'abord une pente d'une haute colline grise et nue. Les roches sont démesurément grandes et recouvertes de taches noirâtres. Un dédale de passages étroits m'a attiré l'attention. On dirait que quelqu'un les a empruntés auparavant. Astronaute 1. Et comment est l'atmosphère ? Astronaute 2. La Lune est caractérisée curieusement par un froid glacial et une lueur de lumière bleue. C'est une étrange atmosphère qui régnait dans le lieu. Astronaute 1. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les collines ? Astronaute 2. Derrière se dressent de petits sommets garnis aux formes arrondies. Ils ressemblent à de petits volcans et le sol ressemble à une plage de lave. Astronaute 1. Est-ce que tu as effectué la montée pour découvrir ce superbe endroit ? Astronaute 2. Oui, en continuant d'avancer, j'ai découvert d'extraordinaires formations rocailleuses. Il y a aussi plusieurs figures fantastiques que j'ai prises en photo. Unité 2. À la conquête de l'espace. Dialogue 4. Décrire un paysage fantastique. Astronaute 1. Peux-tu nous décrire les paysages sur la Lune ? Astronaute 2. Oui, bien sûr. Il y a d'abord une pente d'une haute colline grise et nue. Les roches sont démesurément grandes et recouvertes de taches noirâtres. Un dédale de passages étroits m'a attiré l'attention. On dirait que quelqu'un les a...